Voilà, ça y est, c'est parti. Bon, alors du coup, il faut le faire sur Night Terror. Oh là, je connais pas du tout la map, alors je vais découvrir en même Ah. temps. D'accord, ok, Night Terror. Moi je connais pas, j'ai pas trop eu le temps. Vandal m'avait envoyé des trucs à regarder, enfin, Ok, alors du hier, de coup. regarder hier, j'ai pas trop eu le temps donc Ok. je connais juste le jeu en lui-même, F3D2. Hein. Ouais, bah pareil. J'étais speedrunné aussi à l'UD, justement à l'UD3, c'était la campagne The Parish qui était faite C'était la en paroisse, Europe. oui. Ouais. Mais en général, c'est celle-là qui est utilisée pour speedrun. Oui, bah, c'est plus simple parce que la fin, c'est pas un moment d'attente, d'opposition, quoi. C'est C'est juste ça. courir jusqu'à Helicon, ouais. Ouais. Donc voilà, alors, donc on joue avec Batman Solid Snake. et Solid Snake, et Un merde, j'avais troisième. l'impression que c'était le Predator, ou je sais pas quoi, Non, Hiss. Donc voilà, donc. Le problème, c'est qu'on connaît pas trop. Ouais, alors là, niveau map, Enfin, ouais. je peux pas aider plus, hein, je connais forcément pas celle-ci. Par contre, Voilà, ouais, donc je Vandal sais n'a pas pas si mis on son va jouer. timer, je vais essayer de le rappeler vite fait, mais... Ok, donc Randall n'a pas ce timer, c'est pas plus grand, on va dire pour l'instant. Non, ça va bien, non. Alors Randall, le premier tank qui arrive, il avait l'air d'être un petit peu déguisé. Je sais pas trop ce que ça ressemblait, mais des Vandals donc je tombe sur la tank tout de suite. Donc malheureusement, bah, on ne connaît pas le mode, donc on va pas trop vous dire qui va en avance, qui est pas, mais on va dire, donc le tank a été eu, voilà, ah, un petit boomer pour Vandal, donc s'est occupé, c'est bien. Il a un Faut faire attention HUD aux pièces. Bunker qui est plutôt intéressant. Un petit jockey, c'est bon. Avec un petit entourage là, Ouais, son perso et tout, je ouais, crois c'est intéressant. que. Je suis pas sûr. Ça ressemble à HUD Neptunia, je pense. Peut-être bien, ouais. J'ai vu qu'il Ouais. avait un joker avec lui, coach qui a l'air d'être en Captain Falcon, je crois, et Rochelle en Ouais, un Rochelle, personnage c'est un personnage de Neptunia, manga. justement, Ah, ouais, c'est Neptunia, noir. d'accord, très bien. Donc là, ils sont dans une sorte de moment d'attente, j'ai l'impression, pour en attendant que la grille se baisse pour qu'ils puissent ouvrir la porte. Donc il faut, le but, c'est de résister, d'essayer que les boss soient le moins blessés possible. C'est la petite vague. Je pense qu'ils vont, je sais pas trop comment ça se passe sur les maps et tout, mais ils vont peut-être essayer de rester avec leur boss parce que ça a l'air assez compliqué au niveau. Ah! Vandal qui s'attrape. Au niveau difficulté, ça a l'air assez compliqué. Surtout que comme c'est pas une map officielle, souvent les bots ils sont un peu cons les maps Donc custom. voilà, donc Conker a réussi à entrer en avance. Vandal s'était fait attraper par le smoker et tout, donc il a été viré juste Ah, après. ça a bien traîné en Ah! arrière. Et le tank Donkey Kong qui est là, attention. Ouais. Voilà le tank. Ah, oh là là, ouh là, le tank l'a coincé, Ouh, c'est pas c'est bon assez. ça. Ouais, oula. Ah non, il n'a pas le temps de prendre l'adrénaline, il s'est bien Ah fait, ouais. avoir. Ah bah là, ouais, il va être à terre, à mon avis. Alors, et le problème, c'est que là, c'est bon, le tank est mort. Parce que là, les bots n'auraient pas pu l'accéder à lui, sinon ça aurait pu être très dangereux, quoi. Vandal progresse bien, il a pris une mitraillette. Alors, les noms des armes, je les connais pas trop. Je sais pas si tu connais ou pas, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est une arme officielle ou pas, même. C'est alors ils sont modés aussi donc je pense D'accord. donc ouais je sais je ça doit être une... Alors, ah, il s'est fait attraper par le smoker, je crois que c'est un leaker, je crois, le hunter, là, qu'a Vandal. Oui, c'est possible. De Resident Evil. Possible. Ah d'ailleurs, il a fait bien mal celui-là. Mais oui, il a bien fait mal, il est obligé Ouais, de ouais, prendre l'équipe de soins. Ah, c'est le problème des bots, c'est que souvent, hein, des fois ils sont réactifs, des fois pas, et là. Tandis que Conker a une machette Keyblade, Une machette qui blague. Oui, c'est nul, effectivement, c'est ça, j'ai vu. Voilà, donc tout a été bien modé. Ah, Vandal qui a attaqué la Witch. Ah ouais. Ouais, non, il a pas c'est de pompe, alors Spider-Man, du d'accord, coup, il s'est fait ouais, c'est gêner. un peu compliqué. C'est un peu difficile, ouais, on pompe, Ah, sans du pompe, coup. il a préféré prendre. Attention, elle lui arrive dessus, elle s'en va. Il va la Ah, tuer, elle est morte, c'est bon. ouais, c'est Ça trop compliqué. continue. Ah, il y a un petit boomer derrière la porte, là, c'est toujours sympathique.
C'est bien, super. Tire sur tes coéquipiers, Ronald, bravo. Ah, il nous habitue à nous tirer dessus aussi en une partie à 3-4. C'est son style. Eh oui, c'est fort d'être deux. Très bon jeu pour jouer avec beaucoup de gens. C'est même plus Ouais. sympathique de jouer en, soit en coopération à 4 sur des campagnes comme ça, ou de jouer à 8 en faisant Ah oui, des en versus versus, oui. voilà, une personne, une équipe d'humains et une équipe Des de zombies zombies, spéciaux. des spéciaux, Et qui sont alternés après à chaque fois, bien sûr. Chaque ouais. personne joue dans les deux équipes. Ce qui est vraiment cool. Hein. Ah oui, c'est définitivement cool hein, le Vraiment. versus. Même les campagnes, alors par contre, faut juste pas jouer en expert réalisme parce que on descend nos alliés en 3 balles, même pas. Ah Donc, oui, après, il y a des moments. Oh, il y avait une witch qui était pas loin hein. de Vandal, mais il l'a passé. Oui, Il a eu effectivement, l'oreille. ouais. C'était Oula, juste à Coach côté. qui. C'est Batman qui fait par la witch. Ah non, Batman! Et Ouais. il l'achève à la hache. Donc, voilà. Et donc voilà, donc c'est Fort Dead 2 qui a fait beaucoup de rajouts par rapport à l'Effort Dead 1. Ah Surtout oui, définitivement. au niveau des spéciaux, par exemple, on a eu le chargeur, le speedster, le jockey qui ont été ajoutés. Les personnages ont changé aussi. Oui, On ne joue ça pas les change mêmes pas persos. Là, grand-chose, mais... ça change pas grand-chose, mais c'est toujours. Ça peut être appréciable pour une continuité de l'histoire. C'est une petite continuité, on va dire. Oui, Dans les il y Fort a Dead même une 2, mais campagne... non. Voilà, des campagnes, on peut croiser Les les survivants du anciens premier, du ouais. premier et tout ça. Pour l'instant, là, le concurrent a réussi à finir la première partie. Ouais. Et Vandal arrive à la fin, lui aussi. Il y a aussi les armes. Alors, au niveau des armes, c'était ces armes au corps à corps qu'ils ont rajoutées dans le 2 aussi, parce qu'ils n'avaient pas C'est vrai, ils ont au rajouté premier. toutes ces armes de corps à corps. Ouais. Du coup, ils ont nerfé le coup de crosse. On peut mettre deux coups de crosse sans délai, puis après il y a un délai qui se rajoute dans le 2, alors que dans le premier, vous pouvez vraiment spammer sans problème, quoi. Ça, je crois qu'il y a l'adrénaline aussi qui avait rajouté dans le 2, je sais pas si c'était au premier, je suis plus sûr si c'était Bonne au premier. question, hein. Je sais Ah, plus. c'est ni Elise s'est téléporté, il voulait pas rentrer à l'intérieur pour Vandal. Donc Ah ça ouais. on va passer sur la deuxième map. Il se basera sur une concurrence. Oui, bah Vandal avait oublié de mettre son timer, hein, malheureusement, c'était pas très grave. Oui. Voilà, et bien sûr, de nouvelles campagnes donc auxquelles on a droit dans cet épisode. Et on peut aussi avoir les campagnes de l'ancien. Alors, je sais pas si c'est dans le jeu de base ou à acheter ou quelque chose comme ça. On a les campagnes aussi de l'Effort Dead 1 qui sont disponibles dans le 2. Il me semble que c'est de base, oui. Ah, On peut voilà, jouer donc. d'ailleurs, bah, en fait le truc c'est que c'est quasiment entre guillemets inutile d'avoir le premier Left 4 Dead étant donné qu'on peut jouer au map du premier avec les survivants du premier. C'est juste que bon bah du Exact. coup les armes au corps à corps sont rajoutées, tout ce qui Oui, va il y a des avec. rajouts, tout ça. Ouais. Alors, ils progressent. Ils sont dans une sorte d'hôtel, on dirait. Enfin, ça doit être inspiré de certaines choses, hein, de films, de livres, de jeux vidéo, peut-être, de choses comme ça, mais. Oui, sûrement, hein, c'est... On n'a pas Oh! forcément, comme ça en voyant tous les trucs, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Ouais, y a... Un nouveau temps pour Conquer. Il va au corps à corps, carrément. Attention, là ça sent le roussi. Tandis que Vandal lui a pu avancer tranquillement. Ok, ça va. Tant qu'à Bon, le à tank est peu près mort. géré. Vandal qui va attendre un petit peu ses bottes là, faire un peu de ménage. Un petit jockey, voilà. Jockey qui s'attaque à Batman, moi je trouve ça beau. Hein. Jockey, c'est pas loin du Joker, ça, Ouais, ça c'est... semble, voilà, semble cohérent dans l'univers. C'est clair. Donc on continue. On n'arrive pas trop à savoir à quoi ça pourrait Oula. ressembler. J'ai l'impression qu'on va avoir un nouveau moment d'attente qui va se passer au niveau de Vandal. Ah non, il monte dans une sorte de machin, de truc qui avance là. Ouais, Encore. c'est étrange comme... Sorte de train fantôme, peut-être, quelque chose Oui, comme c'est ça ressemble. possible. Voilà, Conker qui progresse lui aussi. Je crois qu'il est toujours derrière, oui, il est toujours derrière, il n'est pas encore arrivé au moment du train. On va l'appeler comme ça. Oui.
C'est définitivement une sorte de train fantôme. Mmh. Ouh. Il a pris un petit Alors. peu. Vandal. Il y a des trucs, il y a du sang qui se met partout sur la caméra, il y a des moments Ouais, on où voit plus grand chose. un petit peu compliqué. Ah, oh! Il a arrêté ce petit hunter là comme ça. Il y a un petit chargeur qui est là, il est mort. Parce que là, les zombies sont en rush, je crois, comme une alerte en permanence. Ah, mais c'est vrai que Conker, il y a des gens qui sont arrivés sur lui, mais. Ah! C'est pas grave, hein, on va attendre que Smith l'arrête. Ah, il s'est fait mettre à terre par la Witch. Ouais. Ouais, toujours bien, il abandonne coach avec sa Witch, hein, il s'en fout. On fait un peu le ménage, hein, pour aider, c'est bien. Ouais, ça Il y a va. beaucoup de Il monde, c'est peut-être encore une respecte. fois un truc d'attente, je sais pas trop. Je regardais un peu du de l'autre côté. Donc, Ouh là là, ouh, chargeur. Il arrivait nulle part. Sur Conker. Il était bien caché là, le chargeur, il a pas pu le voir Ouais, conclure waouh. cette horde de zombies. Il y a du monde, hein. Ouais. Il y a beaucoup de monde là. Allez, Sora. Une fois, j'ai vu que c'était Sora, justement, je vois Ouais, c'est le Sora. spoiler. Avec la Keyblade et tout, ouais, ça fait vraiment pouvoir de l'amitié à 200% Donc, là. Vandal, il doit jouer. J'ai l'impression que c'est donc un personnage de Resident Evil, je crois. Oui. Regardons un petit le faire. Alors, lequel, je ne sais pas. Je connais pas trop la série Resident Evil, je ne sais pas trop. Je sais plus. Vous dire quels sont les persos à l'intérieur. C'est clair, je crois, mais je suis pas certain. Non, peut-être bien, je ne sais pas du tout. Ouais, donc Conker qui est dans son petit train. Il l'a passé peut-être genre. C'est-à-dire que c'est un peu confus. Ah, il va bientôt arriver à l'abri, je crois que Conker a un peu d'avance sur Vandal maintenant, un Le peu truc, c'est d'avance. que l'iFox, c'est que ouais, le niveau clairement des zombies qui arrivent, mais sans arrêt quoi. T'as pas le temps de te reposer, donc oui, c'est ça qui est chaud quoi. Faut vraiment gérer les vagues. Donc là, Conker qui est à la fin. Ah, mais c'est le Joker qui s'est attrapé. Ouf. Voilà, Joker qui est à terre, allez vite. Il y a beaucoup de vagues de zombies. Hein. Ouais, ça Les n'arrête zombies pas, sont. c'est Je incroyable. sais pas si c'est un point souvent qui est mis en avant sur les modes ou pas, mais il y a beaucoup de vagues Ouais. de zombies. J'ai l'impression souvent les modes c'est pour, on va dire, augmenter un peu la difficulté souvent. Il y a des modes cachés effectivement où on se rendrait pas compte, mais même sur les maps normales. Je sais plus sur laquelle, mais il y a un moment où je me suis retrouvé aussi avec des vagues de zombies qui normalement sont pas censés débarquer comme ça, mais du coup c'était ingérable quoi. Vandal qui arrivait, il est au même point que Conqueror, qui aussi s'est fait attraper là par ce Conqueror et tout ça. Ah, attention! Faut plus qu'il se fasse mettre à terre la Vandal. Effectivement, Black and White, encore une fois à terre et c'est mort. Il y a beaucoup de zombies là dans l'abri. Allez, on ferme. Tout le monde n'est pas là. Allez, Batman. Non, Batman est là, c'est qui Bah qui ça c'est manque? fait. Il manque Nick Spider-Man. Ah, tandis que Conker est passé au niveau suivant. Ah, attention, il va observer. Maintenant, il va nous sortir le beau jeu. Et Vandal qui vient de finir, Vandal qui a un peu rattrapé le retard sur qui avait sur Conqueror. Ouais, ça Alors, va, ils cette sont assez troisième étape. proches. On dirait une sorte de mine. Effectivement. Il progresse bien. Il y aurait des catacombes, ouais. Ouais, mine, catacombe. C'est un individuel qui pourrait nous dire d'où ça vient, cet endroit. Hein. Soit il y a une référence, soit il n'y en a pas après, peut-être. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de références à. Il peut y avoir des références à d'autres choses. Ouais, bonne question, j'en sais foutre rien. La carte là. Ah, avec la hache, c'est peut-être une référence au Seigneur des Anneaux. Ah. Ça me fait penser à la mine de la Moria avec la hache, le livre comme ça, le truc et tout. D'accord. Ça me fait un peu penser à ça, je pense que c'est une C'est vrai référence au que ça me Seigneur fait des un peu Anneaux. penser à ça. Voilà, il fait quelque chose. Faut qu'il lise le bouquin. Ah, voilà. Oui, et le truc qui tombe, voilà, et les des zombies qui arrivent. Je pense que c'était inspiré donc de ça, de la mine de la Moria, justement. Ok. Quand. Je crois que c'était Merry.
J'ai vu Mary ou Pipa qui fait tomber justement un objet dans le puits et qui alerte tous les orques qui sont cachés dans les mines. Donc, il va utiliser. Là, il a un molotov. Ah, ça y est. Il utilise pour bloquer un peu l'entrée, pour ralentir un peu les zombies. Et il y a un tank. Oui, le tank est en feu. Non, il était pas en feu, là il est maintenant, il s'est jeté dedans, c'est bon. C'est la stratégie d'ailleurs, hein. Faut toujours mettre le tank en feu, notamment en difficulté élevée où là les armes font quasiment pas de dégâts sur lui. Et le feu fait des dégâts en pourcentage, donc du coup il. Je crois entre. Je sais plus si c'est 90 secondes maximum qu'un tank tombe dès qu'il est enflammé, je sais plus exactement. Vandal qui est au même point. Oh, il y a un Dark Vador. Et Dark Vador qui a attaqué Vandal. Voilà. Donc il en est au même endroit. Il change d'arme. Ses coéquipiers sont un petit peu dans le kick. Voilà, ça fait Vandal attend. La suite, Concure, lui, il avance bien pour l'instant. On attend le Balrog, hein, maintenant. Ouais. Où est Gandalf, où est Balrog du tout. Ouais, mais va falloir passer quand même. Donc, C'est ça, exactement. Donc, Concure qui est assailli par beaucoup de zombies, Vandal aussi, ils sont dans la même salle, je crois. Ils sont plus ou moins au même endroit. Attention, il est dans la salle du Spitter, c'est bon, il s'en sort. Ça se font beaucoup de dégâts. Et Concure qui continue, donc il ne peut continuer à progresser. Vandal qui est. Ouais, il est pris. C'est un smoker qui l'a attrapé. J'en vois pas. Oui, c'est un smoker, on ne voit pas la langue. Oui, c'est un smoker. C'est juste qu'il l'a pris dans un angle étrange et donc du coup. Voilà, il a attrapé les bots. Ah, je sais pas si les bots réussiront. Ah, je pense que Vandal va pas, mourir. Mais Oula, il a été sauvé. C'est pas facile. Il est passé sur le fil là. Ouais. Un conqueur qui s'enfonce plus profondément. Il avait vu ce petit hunter, il y en a même deux. Deux petits hunters. Allez, on avance. Oula. La witch. Ah, une petite witch en face avec un petit jockey à côté. Allez, attention à la witch. Elle est morte, c'est bien, c'est passé. Le boomer, c'est là, c'est la fête au village, je croyais que. Qu'est-ce qu'il croyait? Oh, la speed là, elle a bien crashé, heureusement. Vandal est toujours un peu coincé là-dedans. Oui, ah, d'ailleurs, il a bien pris cher là. Et bien, ça y est, il y a un tas sur lui. Donc, Spider-Man l'a sauvé. On tue le chargeur. Aïe. Tandis que Concure lui est dans l'abri. Éliminer les zombies. Putain, faut attendre que les copains arrivent. Ouais, ça c'est toujours le problème, hein, les bots qui prennent leur temps. Oui, c'est ça. Ouais. Et bon, vaut mieux être ça, essayer de faire l'intérieur un petit peu, reposer un peu après tout ce qu'on a fait, là, soigner, se remettre en position, éventuellement aller les chercher. Là. Sans trop aller les chercher non plus, hein, ils sont agressés. Ouais. Tant qu'ils meurent, quoi. Ah, coach arrive, peut-être que ça va pouvoir passer. Bah, qui s'y fait ? Il prend son temps. Allez, ça y est, c'est téléporté, ok. Bon. Il se bloque sur la porte et après il est à l'intérieur. Et donc, il a fini la mission. Donc, il arrive à la mission 4. Je sais pas s'il y a 5 missions celui-là ou seulement 4. Je sais pas du tout. On verra bien. Vandal Estimate, il est de 45, donc on peut imaginer qu'ils ont fait peut-être la moitié. Ça doit être ça, je pense. Voilà, il continue à progresser, donc il descend les escaliers.
Il a vu le Peacemaker là-bas en bas. Hein. Mm. Ah, hop, le Hunter qui a sauté dans le vide. Oui, c'est le... il y a Hunter qui a sauté dans le vide. Ouais. Ouf. On progresse. Alors, que va nous donner cette quatrième mission de la part de Conqueror? Où va-t-on se trouver? Je vais c'est assez verdoyant. Ouais. Question, je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Mmh, moi non plus, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Il y a peut-être d'autres indices visuels qu'on pourra voir, mais là. Ouais. Le cinéma. Ça pourrait être. Mmh. Ah, attaque en approche, on va. Je vais avoir une petite horde de zombies qui va venir faire des petits câlins. Vandal est toujours pointé dans ses mines. Mm-hmm. Il est proche de la fin, je le pense. Là, il y a une petite witch. Il a pris pas mal de retard. Attention, voilà, il s'est occupé de la witch. De fort belle manière, Conqueror. Continue d'avancer. Va se soigner, ouais, il a raison, 37 PV, au mieux. On va reprendre un petit peu plus. Encore l'histoire du puits, c'est bizarre. Ah, peut-être qu'il est mort alors. Ah ouais, c'est possible, on l'a pas vu. Mais Vandal serait mort en fait. Ouais, parce que là, on revient au puits donc. Mm-hmm. Ah oui, donc du coup, il prend énormément de retard. Ouais, il prend beaucoup de retard donc oui, Vandal est mort, certainement sur le niveau, on l'a pas vu malheureusement. Ouais. Mm-hmm. Ah, c'était vraiment très rapide. Mm-hmm. On était focalisé sur Conqueror. Ce tank, j'aime bien, c'est quoi ce tank? Il a une cape. Ouais, c'est une sorte de Dark Vador. Non, c'est un Dark Vador, d'accord, c'était le Dark Vador, le temps. Bon, intéressant, donc. Conqueror, ouais. Qui continue à progresser. C'est une sorte de ruine, je pense. Mm-hmm. Boomer, il a envie de te vomir dessus, hein, Boomer. Allez. Ah, elle fait son taf. N'oublie pas ton petit saut pour tout récupérer et le balancer sur ses amis après. Ouais. Ah, Joker a alerté la horde. Ah bah bravo, super. Ah, GG Joker. Hein. Toujours là pour faire le rigolo, lui. Hein. Ouais, c'est le but. C'est de faire chier tout le monde. Ah, le Hunter, on sera. Bon. Il a été enlevé. Les bots des fois sont assez efficaces. Hein. Ça dépend des moments, des fois ils viennent te sauver, des fois t'as à côté de eux, ils font rien. Donc, oui, ça donne. La ville, ils sauvent en deux. C'est une grosse part de random. C'est ça qui est un peu dommage dans les runs de Left 4 Dead et aussi qui peut être marrant d'ailleurs. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut pas leur retirer aux bots, c'est qu'ils soignent souvent avant eux. Quoi. Ils peuvent être en. Il a bouffé. À l'aube de la mort et pourtant ils donneront le coup de soin. Quoi. Ouais. On peut pas leur retirer ça, quoi. Ils ont au moins un minimum de vitalité. Ouais, ils prennent quand même tout ce qui est soin, ils prennent en priorité du joueur. Mm-hmm. Et voilà, donc encore une fois, une alerte. Encore une attaque, il y a beaucoup de hordes de zombies dans ces. Ah oui, il y en a énormément. Conqueror qui doit se rapprocher. Voilà, il arrive au spot, exactement. Ouais. Il va fermer, voilà, il va attendre que les bots viennent avec lui. Là, ça c'est vraiment très bien passé, je crois, cette mission, là, il avait vraiment bien avancé. Ouais. Les deux bots sont là, dépêchez-vous. Ah, ils s'attaquent à travers le chargeur. C'est bon, allez, avance, et voilà. Rien passé, donc il prend vraiment beaucoup d'avance sur Vandal, là, qui a dû Vandal a deux bots à terre en plus, alors. Mm. Voilà, la witch qui s'acharne sur Batman. C'est vraiment compliqué. Donc, le cinquième niveau. Bon, on va essayer de trouver d'où ça vient. Ouais. Alors, Evil Dead. Il y a un poster d'Evil Dead déjà. C'est toujours un bon point, j'ai envie de dire. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Sort d'une caverne. Je pense que c'est la fin des ruines hein, de tout à l'heure. Ouais.
Voilà, il va prendre la guérison dans les chiottes. C'est des petits bunkers. Et là, alors, on est dans une forêt, bah justement, peut-être une référence à Evil Dead. Tout à fait possible, quand je vois la maison comme ça, c'est tout à fait possible que ce soit justement une mission justement référence à Evil Dead. En tout cas, le tank il s'est fait exploser. Le tank là, oui, il a pas eu le temps de voir. Ah, chez Conker, il a fait 5 secondes. Ouais, je pense que c'est Evil Dead. Là, c'est clair, c'est mission hommage sur Evil Dead. Ou au moins le début, hein. Après, peut-être que le reste sera autre chose. Mais là, la maison, c'est clairement ce film. Vandal, qui a un tank au niveau des escaliers, c'est pas un très bon endroit pour avoir un tank là. C'est clair. Oh, c'est bon. Là, un petit coup de poing et boum, dans le vide quoi. Peut-être qu'il est mort ici justement, qu'on n'avait pas vu. Peut-être bien, peut-être qu'il y a eu un tank qui arrivait, un mob qui l'a traîné jusque dans le vide. Ouais, c'est pas bon ça. Ah oui. Ouh, c'est bon, les bots sont arrivés. Ah, il a été sauvé. Est-ce qu'il y a un bot qui a un coup de soin? Alors là, par contre, il faudrait pas un chargeur. Bon, il en récupère un tout en dessous, ça va. Ouais. Il peut se soigner, c'est bon. Ouf, parlons du loup, tiens. Lève le chargeur. il l'a esquivé, brio. Le concurrent lui avance. Il attend par ici. Ah voilà, donc là, voilà, c'est la fin. Donc, il doit se défendre pendant que les secours arrivent. Des phases classiques, on va dire, de fin de mission de Left 4 Dead. Des phases d'attente où on doit se défendre pendant un certain temps jusqu'à ce que. Ouais, c'est un véhicule qui vient nous aider souvent arrive. Alors, si c'est un véhicule qui nous aide souvent, bah après on se rend compte que ceux qui le conduisaient, bah c'était des infectés. Et si c'est nous qui le conduisons, bah genre la voiture du Left 4 Dead 2 de la première mission, à la fin, bah elle tombe en panne. Ouais. C'est vraiment la poisse absolue quoi ça. Donc voilà. Ou sinon, c'est que Virgile il va pas plus loin aussi, c'est mon problème. Vandal qui est à terre, qui est assailli par beaucoup de zombies, qui a été sauvé par Ellie, mais toujours dans cette mission. Ah, la Conker qui fait exploser le boomer, mais qui s'en prend un peu sur la face aussi. C'est difficile. Pardon. Ouf, là ça craint par contre hein, pour Vandal. Là on voit clairement la webcam, il est au bout du rouleau. Non, il n'y arrive pas là je pense. D'ailleurs je sais pas si t'as vu mais dès qu'il est mort instantanément il a respawn. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu en fait, hein, c'est que ça s'est fait vraiment très vite. D'accord, oui, ça repart tout de suite, il n'y a pas le texte, vous êtes mort, c'est pas mal, d'accord, c'est pour ça qu'on regardait un peu ce qui se passait chez Conqueror et puis on n'a pas pu le savoir. Ouais. Au concurrent quand il se défend, voilà le tank. C'est pas le. Il s'est fait allumer un petit peu. Continue à attendre. Oh, petit smoker qui est en train de joker ici. Ils sont débarrassés, les spéciaux, il faut toujours y faire attention, bien sûr. Souvent, les zombies les plus dangereux. Même si quand il y a plusieurs zombies de base, c'est aussi toujours aussi dangereux. Ouais. Donc, faut se méfier. Les zombies de base, ils paraissent pas faire beaucoup de dégâts comme ça, mais quand ils sont plusieurs autour. La barre de vie descend très 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 vite. Hein. Faut s'en méfier. Le journal qui a recommencé. J'espère que ça vient se passer. Donc là, il est dans la vague justement après le puits. Il y a le tank qui est là, le tank Vador. Il vient d'éliminer, c'est très bien. Le cœur qui gère plutôt bien, lui, cette phase d'attente. Plus beaucoup de munitions, par contre. Non, c'est bon, il en a récupéré.
qui l'attend. Alors qu'est-ce qui se passe? La vague continue, voilà, on a une tortue là. Il va encore y avoir un tank qui va arriver. Je crois que... Non, c'est un boomer. Ouais, non, il est là le tank, voilà. Oui, 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 c'est bien le tank. Il était bien là. Normalement, ça va bientôt se terminer, je pense. Mmh. Ça dépend si je change les phases ou pas, mais souvent cette phase-là, c'était les phases où tu avais deux tanks. Deux moments où tu avais des tanks pour spawner, quoi. Oh. Ouais, voilà. Il s'est mis arriver des secours embarqués. Ah, les secours sont là. Je sais pas si t'as vu, mais t'as vu une espèce de lumière bleu-rouge qui a ouvert la voie. Ça, c'est pas... Oui, je vois ça. Et voilà, donc il est sur son lit d'hôpital. Ah, il y a Coach qui... Non, Elise qui est mort. Coach et Rochelle qui vont peut-être pas faire le feu, là. Mmh. Coach à terre, Rochelle a plus beaucoup de vie à terre. Allez, c'est bon. Bon, on va conquérir, je finis en 35. Ouais. Pas mal, là, c'est bien moins que l'estimate. Ça s'est passé plutôt sans accro pour Conker, par contre on peut pas en dire autant de Vandal. Oui, ça s'est bien passé, je crois pas qu'il soit mort Conker. Non, zéro, voilà, sur les statistiques, il n'est pas mort une seule fois. Hein. Donc voilà, très bien, il a très bien joué, très bien progressé. Ouais. Et Vandal qui va peut-être s'arrêter si Conker a tout, je ne sais pas trop, mais je pense ça que mal va peut-être s'arrêter, je sais pas. Ouais. Ah, en tout cas, pour l'instant, il continue. Il y va à la hache. Mmh. Je trouve que c'est une arme intéressante, mais c'est pas vraiment la meilleure au corps à corps. Ah, les armes au corps à corps se valent un peu toutes, mais je crois que la machette est pas mal parce que elle fait bizarrement plus de dégâts. Ou elle attaque plus vite, je sais plus. Enfin, il y a quelque chose dans le genre là. Moi, je trouve qu'elle attaque un peu plus vite que les autres. C'est ça, je pense qu'elle attaque plus vite. Façon, ouais. Je pense qu'elle attaque plus vite. Ouais. Bon, voilà, coup, encore, je crois que ça fait 2 points partout, si je ne m'abuse. Sur que fait, c'est Vandal qui a gagné. Sur Ganix aussi. Et sur le premier jeu qui était Ductel, c'est Conqueror. Donc oui, ça fait 2 partout. Ouais. Heureusement, il n'y aura pas le dernier point pour les départager. Ouais, ce sera peut-être pour plus tard. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. On verra bien. Là, ça se termine sur une égalité. Ouais, ça va. Mmh. C'est pas une domination totale, c'est cool, c'est une petite égalité sympa. Ouais, c'est ça. Ah, c'est nice. Vandal, faut faire attention là, encore une fois. Ouais, là c'est le black and white. Là c'est la PLS, là je pense que là c'est... Ouais. Il a vraiment galéré sur ce niveau, et il a vraiment pas eu de chance aussi. C'est... Mmh. Mais il a beaucoup galéré, bah, je crois déjà au niveau 2, je crois qu'il était mort une fois. Ouais. Et après, bah, là c'était la suite, alors faut vraiment faire attention à tous ces hauteurs. Toujours dangereux avoir nous sauter dessus, quoi. Caché. Mmh. Alors, c'était une trousse de soin. Je pense qu'il va tenter de finir le niveau quand même. Voilà. Ouais, du moins, je vais essayer de terminer. Voilà, faire attention à ces escaliers qui ont été assez traîtres pour Vandal. Ouais. Ouais, putain, il y a le chargeur qui arrivait en plus. Ça aurait été terrible. Ouf, la petite marche arrière qui va bien là. Ouais. Heureusement, hein, quand on tombe, entre guillemets, enfin qu'on se raccroche à un arbore, on perd pas nos points de vie, heureusement. Oui, voilà, on est juste en situation d'attente d'aide, quoi. Ouais. Et quand on remonte, et ben, on prend les points de vie qu'on avait. C'est ça. Spitter, voilà, allez Vandal. On y va. Et voilà, et c'était ça, pour moi, le gros problème qu'il y avait sur le jeu qu'il était à vue D3, c'est que, moi j'aimais beaucoup le jeu, j'aimais bien jouer et tout ça, mais on pouvait se faire défoncer par la RNG du jeu, quoi. Ouais, ça c'est... C'est toujours assez embêtant, quoi. Donc, C'est clair, ce jeu-là, il est terrible pour ça, quoi. C'est, si des fois, les bots, ils vont être méga cool, et là, tu vas gagner un temps fou, puis des fois, ça va être pas possible. C'est vraiment ingérable. Genre, parce que, voilà, si on essayait en grind, on pouvait faire en grind, on reset. Ouais. C'est embêtant, mais c'est pas le pire, quoi. Alors que si on est en risque contre tout le monde et qu'on se coupait sur ce jeu-là,
Oui, c'est clair. D'ailleurs, je sais plus si c'était sur lequel UD, mais il y avait un UD où Vandal, il était justement sur The Paris chez la RNG, là, la dégommée. Bah là, je crois que c'est la fin. Ouais. Bah justement, quand c'était le tournoi de la dernière chance, 2003, il s'était fait bien avoir par le jeu Vandal, je me souviens. Ouais, c'était On vraiment pas de bol. Hein. voit que le concours a terminé, je pense qu'il va pas continuer. Ouais. Pour moi, je pense qu'ils vont revenir nous voir d'ici peu, normalement. Bah, on espère, hein. On va voir les petits mots de. Vandal, il a eu une très mauvaise expérience. Ouais, oui, on a vu on a ça vu. Vraiment. Il s'est tapé des saloperies. Ah non, mais pas de bol quoi, on a vu ça, Ah, c'est horrible. Et il m'a dit il s'est tapé des tanks à la pelle. Ouais. Horrible. Mon pauvre Vandal, ah, c'était chaud là, franchement t'as pas eu de chance sur la RNG, c'est n'importe quoi. Bah, c'est pas une chose là, je suis énervé. Ouais, remonter, bah tu m'étonnes, n'importe qui serait remonté. Si ça peut te rassurer, Vandal, vous avez deux partout, donc il y a une égalité pour l'instant. Bah, le truc c'est que là je pourrais pas continuer, mais je Je pense sais. faudrait faire la last l'autre jour. Ouais, il faudrait vraiment faire la DDR. En plus, Rayman ça peut être serré vu qu'on avait pas mal dessus tous les deux. Yop. Ah, mais bon. Bah, au moins, il y a toujours cet enjeu, c'est qu'on est à deux partout. C'est cool. Ouais, c'est ça quoi. Mais bon, c'est dommage que ce soit comme ça, sur un truc où tu te tapais juste de la malchance complète quoi. Ouais. Là, pour le coup, j'ai. Bah, ça s'est vu à la caméra où je commençais vraiment à être énervé. Ouais. Oui, ça se voyait, t'étais vraiment dépité, quoi, c'était clair. Le truc, c'est que j'ai avancé progressivement. La Witch, bah, Conker était moins. Je l'ai. Si je l'ai vu, mais j'étais pas censé la réveiller. J'étais pas censé la réveiller. Après, l'histoire des deux tanks, un devant, un derrière. Voilà, on n'a pas trop vu celui-là, mais en fait, le truc, c'est que quand on a remarqué un truc, c'est qu'il y a un moment, t'étais mort et on s'en est pas rendu compte parce que c'est éclair, en fait, tu respawn tout de suite. Bah, le truc, c'est que. Sur la dernière section de la Moria, où est-ce qu'il y a le pont de Kazakhdom, justement. Ouais. Habituellement, t'as juste. Ce tank-là est scripté, c'est à l'arrière pour justement représenter le Balrog. Sauf que là, il y avait bien le tank scripté, mais un tank aléatoire qui était devant. Ouais. Du coup, le tank aléatoire devant est arrivé, il m'a mis une gifle, il m'a renvoyé sur celui de derrière, celui de derrière m'a mis à terre, et Ellie s'est dit, ouais, attends, il y a deux tanks, gérer. C'est n'importe quoi. Effectivement. Du coup, Yugano, t'avais raison, c'était bien la Moria. Hein, Ouais, c'est la Moria. J'ai deviné la Moria, ouais. Ça, on a essayé de deviner un peu les. Normalement, on voit en fait dans les abris, t'as un poster qui montre sur quoi, sur quel monde c'est basé en fait la map. Ah, ah d'accord, d'accord, ok, parce qu'on a vu aussi sur le 5, sur le dernier il y avait Evil Dead justement, c'est pour ça que. Ouais, c'est ça. J'ai reconnu que c'était Evil Dead. Sur le 3, j'ai reconnu avec le puits, enfin tout le truc et tout, l'ambiance quoi. Mais... Le quatrième c'était T'attends le temple du soleil, le truc. Ah! Ok. La deuxième c'était le manoir hanté de Disneyland. Ouais. Et la première par contre je sais pas. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Parce que ouais, effectivement le train fantôme. Ouais. Oui, ouais, du coup on a l'occasion de faire de conclure est-ce que c'est Sangoku ou Vegeta qui va gagner. On ne sait pas pour l'instant. Là ça On va. Sait pas pour le moment. Attends, on va remettre l'image. Elle est là. Une date pour pas Rayman Legend. On se trouvera une date pour ça vite fait. Attends, oui. Moi, je suis en congé. Quand? Enfin, milieu de semaine prochaine. Ah ouais, donc ça va, on pourra faire ça vendredi peut-être. Ouais, vendredi ou jeudi quoi. Ouais, voilà. Après, faut juste récupérer Chris, notre bref, TP, bref. Ouais. Mais de toute façon, moi à partir de la semaine prochaine, après moi je suis en libre service. C'est cool. Et ouais, du coup, on va s'arrêter là. Encore une fois, merci Ugano d'avoir assuré les commentaires. Ah, vous avez assuré les gars. De rien. Ah, Ugano, il a géré. J'attends le virement. Hein. T'inquiète pas, c'est ah merde, t'as pas lu le contrat. Non, mais c'était mis d'accord. J'ai dit, les petites lignes en bas. C'est écrit en tout petit. Attends,
Eh, c'est de la qualité, il faut bien que je raque un peu de thunes, faut pas déconner. Voilà, merci comme ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir répondu à l'appel. Bah de rien, de rien. Si t'es chaud pour commenter la DER sur Rayman, bah quand on aura une date et si t'es dispo. Ouais, pourquoi pas, faut voir. On tiendra au jeu. Ouais, de toute façon ce sera. Bah ce sera soit sur le Discord de Zankyo, du coup je pense qu'on fera mettra les infos bah, directement sur ce sur le channel texte. Mm. Et puis bah. Maintenant, c'est un peu un cliffhanger, on sait pas qui a gagné. C'est ça. Ouais. C'est le teaser pour la suite, quoi, c'est beau. Ah, big teaser. C'est pas... Ouais, du coup, moi aussi, je vais devoir y aller au fil. Ok. Ça a été pour tout le monde. Bah voilà, merci. Bah merci à tous, Chris pour le support tech, Conker en tant qu'adversaire, Vandal pour avoir réagi. Je suis un Megaman, tu m'as pas entendu, mais je m'étais bien énervé. Ah ouais, ouais. Ah. Ouais, j'ai été en mode... En fait, j'extériorisais pas, mais intérieurement, j'étais gavé, quoi. Ouais. Non, je vais extérioriser. Bah, en fait, c'est juste le problème sur Megaman, c'est qu'intérieurement, t'étais plein. Alors... en plus, dans les deux sens du terme. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on peut couper le stream. Bah merci aux personnes qui sont passées, j'ai pas le chat. Ah, il y a Life Fox qui restait jusqu'au bout depuis presque le début. Donc, ah bah, merci frère. Merci à toi, vieux. Et puis bah voilà, donc restez connectés pour avoir... Stay tuned. Stay tuned. Oh non. Oh le France. Ouais, Je parle. Mais ouais, bah en tout cas, bah des bisous, puis bah à une prochaine. Ça fait plaisir en tout cas. Wep. Yes. Bye. Bye bye. Au revoir.